commission jeunesse, c'est une commission qui recrute 26 membres, donc 2 pour chacune des 13 écoles secondaires de Gatineau, avec 3 élus municipaux et une agente à la commission jeunesse. Alors, la commission jeunesse se donne comme obligation de consulter à un minimum de chaque 4 ans les jeunes de la ville pour savoir comment travailler dans les stratégies municipales pour les années à venir. L'impact numéro 1 qu'on a eu au niveau social, c'est que les 200 participants qui étaient présents au sommet jeunesse, qui étaient en majorité des jeunes, ont été sensibilisés à adopter des comportements éco-responsables. Ensuite de ça, toutes les décisions qui ont été prises, tous les enjeux qui ont été priorisés durant le sommet jeunesse vont faire partie de ce qu'on appelle la SMAJ, la Stratégie municipale d'action jeunesse. Et celle-là, elle est révolutionnaire à la ville de Gatineau, étant donné que c'est la première stratégie municipale qui existe à la ville de Gatineau. Et c'est très gratifiant de pouvoir dire que toutes les écoles secondaires ont participé à la formation de cette stratégie-là. Il faut voter pour le sommet jeunesse, étant donné que c'est un événement qui a été faite pour et par les jeunes. Un événement où les 26 membres de la commission jeunesse ont travaillé à chacune des étapes de la réalisation et où la jeunesse était au cœur du processus de décision. Où la voix des jeunes, leur capacité à agir à la ville avait une énorme portée étant donné de la stratégie municipale qui en est ressortie par la suite.